Soudain, la barque ne danse plus sur le fleuve, elle court, toujours inclinée, mais sans subir le moindre heurt, bien poussée par le vent, sur une eau parfaitement lisse. Devant eux, Loup Fauve devine un immense et apaisant désert de sable, un monde où d'ordinaire il ne viendrait à l'esprit d'aucun loup d'aller s'aventurer, mais un monde qui ici a des couleurs de salut. Là-bas sur le sable, un deux-pieds vient de naître. Il court vers eux, agitant les bras. De la voix et des mains, Tenace lui répond. La terre vers laquelle on court est plus qu'une terre connue de deux-pieds, c'est une terre où il compte des alliés. La nuit infernale achève de se dissoudre en petit matin de reconnaissance. Bientôt, la barque est au bord du sable, où le loup se jette avec délectation. Loup Fauve voudrait prendre son élan, tourner définitivement le dos au fleuve. Mais pour le moment, ses muscles ankylosés ne lui permettent autre chose que quelques mouvements maladroits, et les odeurs qu'il hume, pour rassurante qu'elles continuent de lui paraître, ne lui sont pas moins inconnues et nouvelles, des odeurs vers lesquelles on ne peut s'engager sans prudence. La rencontre. Les deux pieds s'acharnent à tirer la barque hors de l'eau. On dirait le second la copie du premier. Même corpulence, même geste, une égale détermination. Ne serait-ce les rides profondément creusées au visage de Tenace, les cernes presque bleues autour de ses yeux et les effluves de chacun des deux pieds, Loup Fauve peinerait presque à les distinguer. La barque tirée sur le sable, les deux pieds s'étreignent. Loup Fauve palpe entre eux plus qu'une entente, une profonde affection. Puis le plus jeune tend un doigt vers Loup Fauve, qui d'abord s'en inquiète puis se rassure. Le regard fixé sur lui n'a rien d'agressif, il exprime au contraire de la sympathie, ou plus peut-être, quelque chose qui ressemble à de l'admiration. Tenace parle assez longuement, puis s'adressant au loup et lui désignant le deux pieds, il répète plusieurs fois « Ksa ». Les présentations sont faites. Les deux pieds s'asseyent alors face au fleuve. Ksa parle, son visage est soucieux. Tenace écoute avec attention, mais demeure impassible. Puis il parle à son tour. Sa voix est encore plus déterminée qu'à l'ordinaire, froide, comme dépourvue d'émotion, avec quelque chose de glacé, d'implacable. Plusieurs fois, il désigne quelque chose très loin sur le fleuve. Ksa interroge. Tenace désigne encore l'horizon, comme au-delà du fleuve. Puis les deux pieds se taisent, méditant en silence. Soudain, il se dresse et, tournant le dos à la mer, dépasse le désert de sable, entre dans un bois l'un suivant l'autre. Loup brave, qui recouvre le plein usage de ses membres sur leurs talons. Partout des odeurs, des indices de deux pieds, mais ni Tenace ni Ksa ne semblent s'en inquiéter. Bientôt, on entre dans une clairière, au centre de laquelle on découvre une petite hutte de pieds. Ksa, elle, est soudain. Tout ce que compte de fibres nerveuses l'organisme du loup se trouve tétanisé, électrisé. Une voix de pied a répondu, mais une voix profonde et chaude, une voix mélodie. Bientôt s'échappe de la hutte une fine silhouette qui se jette au cou de Tenace avec de silencieux cris de joie et répétant plusieurs fois « Dingue, dingue ». Puis, comme l'avait fait Ksa plus tôt, la silhouette se tourne vers le loup, interrogeant Tenace. Mais elle n'écoute pas ce qu'il lui dit et semble comme subjuguée par ce qu'elle observe. Loup Fauve en est décontenancé, il songe à s'enfuir. Mais soudain la silhouette fait demi-tour et s'éloigne, presque en courant, se tapant les genoux. Un violent désir de la suivre s'empare du loup, mais il se retient indignement. La silhouette s'effondre alors sur le sol et vient s'y rouler. Comment sait-elle cela? Le lait, dingue, le lait. Loup Fauve ne comprend pas le sens des mots de pied, mais il perçoit l'interrogation dans le regard de Tenace. Le lait de la louve, elle sait, parce qu'elle a bu son lait. Loup Fauve reste toujours figé. Alors le miracle se produit, la voix. La voix parle, presque silencieusement, si basse que le loup est peut-être le seul à l'apercevoir, car c'est à lui que la voix s'adresse. À ses côtés, Tenace et Ksa se taisent, attentifs. À leur tour pétrifié. Il n'est plus ni temps ni lieu, mais seulement cette voix qui parle, qui ne parle que pour lui.
Toute la sauvage nature du loup veut se rebeller. Des millénaires de méfiance luttent de tout leur pouvoir. Mais c'est en vain, malgré eux, malgré lui. Loup fauve, subjugué, emporté, rampe peu à peu, lentement, vers la voie qu'il appelle et à laquelle il ne peut pas résister. Sait-il seulement qu'il y a de cela plusieurs vies de loup? Son lointain ancêtre s'est trouvé, comme lui aujourd'hui, subjugué par une autre voix presque semblable à celle-ci. Et la voix, sait-elle qu'elle répète une scène qu'une autre voix et un autre loup ont déjà vécue? Loup fauve continue de ramper. Sauvagine! Avec plus que de l'inquiétude, Tenace écrit quelque chose que Loup fauve ne comprend pas, mais il a compris le nom que le deux pieds donne à la voix, Sauvagine. Le lait de la louve, dingue! C'est que ça qui rassure ainsi Tenace. Maintenant, Loup fauve est à toucher la voix. Si cette dernière tendait ne serait-ce qu'un doigt vers lui, les millénaires de sauvagerie que compte l'âme du loup se rebelleraient irrémédiablement, le conduisant à mordre ou à s'enfuir. La voix bouge en effet, non pour le toucher, mais pour s'éloigner à nouveau. D'abord surpris puis rassuré, loup fauve suit, le ventre un peu moins près du sol. Je l'ai amené pour toi. C'est un magnifique descendant de loup noir. Il se battra pour toi jusqu'à la mort, comme son ancêtre l'a fait pour ta mère. Le loup entend les mots de Tenace, mais sans leur donner de sens, parce que ce n'est pas nécessaire.